Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 14 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du Vieux Bassin, troisième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 3 ans en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce quintet normand s'adressant uniquement à la génération des 3 ans, donc, il faudra impérativement ouvrir ses jeux. Pourquoi? Tout simplement car ces jeunes éléments se tiennent de très près au papier et que beaucoup doivent encore faire leurs preuves dans les handicaps. Une fois encore, élargir ses jeux aura du bon sur le parcours des 2500 mètres de la piste en gazon. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 5, High Lady. Cette femelle de 3 ans, fille de Kaamelott, entraînée par Jean-Philippe Dubois, sera montée par un Aurélien Lemaître, connaissant une belle réussite dans les handicaps actuellement et comptant la mener au succès dans ce Quintée Plus. En deuxième choix, le numéro 10, Ilo Secret. Tournant autour du pot avec application, il sera pour la circonstance monté par Yoritz Mendizabal. Si le crack jockey basque s'applique avec le numéro 6 dans les boîtes, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Pont Mirabeau. Il est le top weight de l'épreuve et ce d'assez loin puisqu'il portera 3,5 kg de plus que le numéro 2. Didier Guillemin étant un homme adroit, il faut logiquement lui faire confiance. En quatrième position viendra le numéro 2, Coubird. Nicolas Collery l'aime beaucoup et trouve qu'il mériterait tout simplement de renouer avec le succès. Avec le numéro 5 dans les stalles, c'est à Thomas Trullier, son jockey, de jouer. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Valour. Elle reste sur deux victoires, dont un succès acquis au niveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Vichy face à beaucoup de compétiteurs qu'elle retrouve aujourd'hui. Avec l'aide de Christophe Soumillon ici, elle va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 13, Moonwolf. Stéphane Vatel connaît toujours une belle réussite lors des Quintets d'Ovillais pour jeunes chevaux, et ce n'est pas ce mâle de 3 ans qui devrait déroger à la règle. En avant-dernier choix, le numéro 12, American Dark. Si Stéphane Pasquier se sort du numéro 16 dans les stades de départ, alors il pourrait bien renouer avec les bonnes performances. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Will of Daisy. En grande forme, cette femelle de 3 ans pourra bénéficier de l'as à la corde pour jouer les tout premiers rôles ici. En cas de non-partant, le numéro 16, Normandy Beach, qui est piloté pour la circonstance par Maxime Guyon, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiers s'écarter Quintet Plus dans le désordre, les deux derniers faisant tout de même 144 € et 249 € pour les rapports. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain.